Bonjour, ah, je vais juste. Bonjour à tous, à toutes, je suis ravie de vous retrouver après 2 semaines, je crois, 2 semaines sans live. J'étais pas très inspirée, je me sentais pas alignée pour partager. Donc, en général, voilà. Pour moi, j'édite, je ne partage que quand il y a vraiment un élan du cœur pour moi. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie de parler de pratique, d'expérimentation, pour plusieurs raisons. Une prise de conscience personnelle, et puis ça m'est revenu beaucoup autant sur les réseaux. J'ai vu des publications sur ce thème, et puis aussi avec des amis, on a échangé sur ce qu'on ressentait et se dire, mais. Les gens, ils ont besoin d'être en pratique et pas juste être dans le mental, de comprendre. Et puis après, bah, j'ai compris, donc c'est bon, tout est alors que la pratique, c'est vraiment ce qui va faire qu'on devient compétent. On peut avoir une partie qui est du savoir, je sais quelque chose, mais tant que ce n'est pas intégré en nous et qu'on ne l'a pas pratiqué, expérimenté, fait ses propres observation sur un sujet, peu importe du sujet, eh ben, il nous manque quelque chose. On n'a que de la connaissance. Voilà. Et la connaissance n'est pas la compétence. J'ai un savoir. Je ne suis pas compétent avec ce savoir. Voilà. Donc j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui sur ce thème, parce que dans le monde du développement personnel, de la psychologie, de la spiritualité, c'est quelque chose qui là aussi peut être très bancal du coup, si on ne pratique pas ce qu'on découvre. Et en ce moment, alors j'ai passé ces chemins-là et attention, tout ce que je veux dire, comme d'habitude, n'a pas de jugement. C'est mon expérience justement, ma pratique qui fait que je peux vous offrir cette réflexion et justement peut-être vous ouvrir une porte qui va vous permettre de fonctionner un peu différemment et pas vous laisser envahir. Ou happé par le mental qui a besoin de remplir, remplir, parce qu'il est nourri par un sujet. Donc, quand on découvre un sujet qui nous plaît, dans le développement personnel par exemple, on va parler des émotions, on peut lire des tonnes de livres, voilà, des livres et pas s'arrêter, et puis lire, lire, et puis être frustré parce qu'il y a un moment, bah, on voit bien que dans notre quotidien, c'est difficile, et puis on continue à lire des livres parce qu'on dit, bon, bah, si je lis, je vais y arriver, je vais finir par y arriver. Donc oui, à force de répéter, on finit par faire des petites choses et tout ça. Mais finalement, on ne va pas en profondeur. On va mettre des petites choses en place. Et ce qui m'a tilté vraiment cette semaine, c'est qu'on m'a proposé de faire un atelier pour des parents sur la communication non-violente. Et je remercie vraiment la personne Kiani qui propose cet atelier, qui les organise, de m'avoir posé cette question. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y a plein de gens. Justement, en ne pratiquant pas, en découvrant un outil et en le regardant simplement et en disant, oh là là, mais comment je vais faire? Ah bah, ou prenant le sujet vraiment au pied de la lettre et en n'essayant pas, les personnes se retrouvent dans des croyances, une vision. Moi, j'ai répondu avec une vision naïve des choses parce que finalement, il n'y a pas d'expérimentation, donc la personne, elle ne se l'approprie pas. Donc là, c'était sur la communication non violente et cette personne me disait, bah, oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a plein de gens qui se retrouvent coincés en tant que parents à pratiquer la communication non violente. Et effectivement, si on découvre la communication non violente, ça dépend si la personne qui l'a transmise, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont très méthodologiques. Et bien sûr, c'est une méthode, mais si on s'arrête à la méthode, ben, bon, ben, c'est une méthode parmi tant d'autres. Ce qui fait la richesse de la communication non violente, c'est la profondeur, c'est l'invitation d'abord à venir à soi. Ça, c'est la richesse. C'est pas je vais communiquer d'abord avec l'autre, c'est d'abord je vais communiquer avec moi et ensuite je vais retourner vers l'autre. Et donc, elle disait qu'il y a des parents qui peuvent se retrouver coincés, à pas être à l'aise à discuter comme ça parce qu'en fait, ils sont plus naturels avec les enfants. Et bien sûr, bah, c'est les premières étapes. Quand on découvre une méthode, au début, on est gauche. C'est comme quand vous apprenez, je ne sais pas, à faire un gâteau ou un plat, par exemple, la première fois, vous n'êtes pas toujours à l'aise, sauf si vous êtes hyper à l'aise d'habitude en cuisine. Et puis, vous êtes déjà dans une pratique de la cuisine avec facilité, vous ne mettez pas de barrière. Mais quand on découvre un nouveau plat, on hésite, on ne sait pas, on regarde plusieurs fois la recette et ainsi de suite. Donc, on est un petit peu gauche. Mais plus on va faire la recette, moins on y réfléchit, même on finit par faire par un
intuitive sans vraiment regarder le poids, les valeurs et tout ça. Donc c'est pareil pour tout dans la vie. Et dans le développement personnel, c'est important. Dans l'éducation, c'est important. Surtout qu'aujourd'hui, je peux vous dire, moi quand j'ai commencé, j'allais au fond de la librairie pour trouver 3 livres de développement personnel. Aujourd'hui, il y en a partout et c'est génial parce qu'il y en a pour tout le monde, ça ouvre des portes. Mais attention à ne pas ingurgiter des livres, ingurgiter. Et à un moment, dire, bah, ma vie, rien ne change. Moi, je vous invite à pratiquer, à choisir une pratique, un morceau de la pratique, suivant ce que c'est. Par exemple, la communication de langue, je vais prendre ce sujet puisque c'est vraiment ça qui a fait tout un chemin autour de la pratique cette semaine. Mais ce message m'a vraiment questionné encore plus. La communication de langue, vous pouvez commencer par pratiquer l'observation des situations qui vous entourent. Et point barre, pendant des semaines et des semaines et des semaines. Et ça, ça va ouvrir d'autres portes. Parce qu'à un moment, naturellement, votre corps, votre cerveau va vouloir savoir ce qu'il y a comme émotion, après comme besoin, tout va venir. Mais pratiquez étape par étape. Aujourd'hui, on est dans une société où tout va vite, où on est dans l'hyper-performance. Mais pour moi, et vraiment c'est dit avec conscience, dans l'amour et sans jugement, mais juste une observation, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites en profondeur. Il y a beaucoup de personnes qui ont des compétences, mais pour moi, des fois, un peu superficielles, dans l'apparence. Voilà. Hein, ça paraît compétent, mais quand on va demander à la personne d'aller plus loin, on cherche des difficultés, ben, il n'y a plus personne. Alors, ce n'est pas grave. Chacun doit être humble face à ça. Moi aussi, il y a des domaines où je parle en superficialité, mais par contre, je le dis, ben là, je connais juste ça. Et si j'ai envie d'aller plus loin, c'est à moi d'aller chercher, de pratiquer. Et je trouve ça important, aussi dans ce qu'on est en train de vivre dans notre société, c'est qu'on voit cette superficialité. Alors, il y a des spécialistes qui parlent de sujets par rapport au virus et tout ça, mais on reste en superficialité des sujets quand même. Hein. On reste beaucoup là-dessus, on ne va pas aller plus loin, on ne va pas donner aux gens des choses qui vont en profondeur. Voilà. Et ça, c'est l'expérience. Et l'expérience, même dans ce thème qui est notre super virus, là, si on prend le temps d'écouter tout ce qui est dit sur tous les bords, attention, pas de clan, il faut s'informer sur tous les bords. Sauf si vous êtes hyper avancé et que vous avez l'habitude, bah, ok. Mais prenez le temps d'écouter et d'expérimenter par vous-même. Et là, l'expérience, ce sera réfléchir, sentir ce que ça vous dit, qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui vibre pas en vous pour trouver votre posture. Donc, c'est vraiment cette notion de temps pour moi aussi, la pratique. Et moi, je me rappelle quand je suis devenue maman, effectivement, souvent, on est un peu dans un sujet qu'on ne connaît pas. Moi, je n'ai jamais. Voilà. Première fois, maman, pour moi, je n'ai jamais été. Donc, même si j'ai lu plein de choses sur l'éducation, c'est quand j'ai eu ma fille que je l'ai eue là devant moi que j'ai mis en pratique. Et bien sûr, au début, en plus, là, je n'avais jamais trop découvert le sujet autour des enfants. Donc, vous dire qu'il y a du sujet, donc des livres, j'en ai lu sur les émotions, sur le développement de l'enfant, sur la motricité, sur la diversification menée par l'enfant. J'ai découvert un super livre, Comment accompagner bébé, la naissance de bébé, je ne me rappelle plus l'auteur, et vraiment, elle partageait beaucoup de choses là-dedans, et vraiment, je crois que je m'étais fait mise d'un million de livres, donc j'ai lu. Mais je me suis vu à un moment où je rachetais des livres parce que je découvrais que c'était la pleine période où l'éducation positive, la conscience de l'enfant prenaient le devant de scène. C'était plus que des spécialistes, on en parlait beaucoup plus. Moi, j'ai découvert ma vie à Montessori au tout début où on a commencé à parler de la pédagogie Montessori et ainsi de suite. Et j'ai beaucoup lu jusqu'à un jour, je me suis dit, mais stop. Tu pratiques déjà, parce que je pratiquais, j'essayais de mettre en application ce que je pouvais lire, comment accompagner mon bébé, comment la communication connectée avec l'enfant, les massages, toutes ces choses-là. Mais vraiment, stop. Tu as déjà ingurgité assez d'infos, maintenant il faut tout ça. Moi, je visualise beaucoup, donc tout ça pour que ça se diffuse ou ça se connecte entre ce que j'ai compris, ce que j'en ressens, comment je connecte pour mettre en pratique et que j'aille plus loin et que ça devienne quelque chose de naturel et que j'ai plus à y réfléchir. Parce que par contre, ça me parle. Ça me parlait beaucoup d'éducation positive, ça me parlait d'accompagner l'enfant dans son rythme. Hein, par rapport à ce que je fais en tant que professionnelle, c'était tellement évident. Je ne pouvais pas proposer aux gens
de se découvrir et d'aller chercher tout ce qui les a limités dans ma vie en limitant mes enfants. Alors j'étais mon mieux, j'étais comme j'ai pu, avec qui j'étais à ce moment-là. J'ai aidé à réparer aussi hein, des choses, parce que tout n'était pas parfait, mais j'ai essayé. Donc en tout cas, la pratique, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous dire. J'avais envie de vous inviter à un peu ralentir, à vous poser et à choisir des pratiques et pas remplir votre ordinateur de formation, vos bibliothèques de livres à tout prix. Alors je sais que bah, c'est pas très économique comme idée, mais en fait, pour l'économie, on est d'accord, hein, pour vous, vous allez voir, vous allez faire plein d'économies. Mais il y a un équilibre à trouver entre apprendre et ingurgiter l'information et rien mettre en pratique dans la vie. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre en pratique, on a besoin de mettre en action des nouvelles façons de faire dans l'éducation, dans la conscience de soi, dans les relations les uns aux autres, en entreprise, en société, de notre société, on a besoin. Et ce n'est pas ici que ça se trouve, c'est ici, nourri par tous les points qui font l'être humain, voilà, qui font la personne. Et moi, je me questionne beaucoup. C'est pas un jugement, hein. Ça peut être dur ce que je vais dire, mais en ce moment, je me dis, mais mince, mais où sont les gens qui agissent? Où sont les gens? Il y en a, j'en vois plein hein, en dehors de mon réseau, mais au quotidien, où sont les gens qui moi, en tout cas, ça vibre en moi, hein. Bien sûr, il y a plein de gens qui peut-être sont très satisfaits de ce qu'ils voient, zéro jugement. C'est juste moi. Où sont les gens qui vont se positionner dans ça, c'est ma valeur. Et ni dans la guerre, ni dans la colère, parce qu'il y a aussi ça qui m'interpelle beaucoup, c'est que et ben dans le monde, par exemple, du développement personnel, de la thérapie, de la psychologie, qu'on exprime notre insatisfaction, on est OK. Mais moi, je suis vraiment choquée, et là, le sujet d'avant, hein, on n'est pas épargné, c'est la vaccination et la non-vaccination. Je suis outrée. Que des thérapeutes, que des gens dans soi-disant le domaine du bien-être, de la conscience, de l'amour, puissent être autant en colère contre les gens qui se vaccinent. Pour moi, c'est un autre monde. Ça ne me parle pas? Ok, ça ne parle pas. On peut essayer de comprendre pourquoi la personne elle veut se vacciner, on peut écouter. Ça, c'est l'empathie. Et dire que c'est. J'ai vu passer hein, sur les réseaux, c'est une conne. Ils sont stupides, gna gna. On s'en fiche, c'est leur choix, ils ont le droit. Si nous, on veut la liberté, laissons la liberté à l'autre. Si moi, j'ai envie d'éduquer mes enfants de façon liée à la nature, avec la spiritualité, les anges, la conscience, les émotions, la décroissance, je ne vais pas juger la personne qui va faire l'inverse. Par contre, qu'on me laisse vivre la vie à moi aussi, que j'ai la place pour vivre la vie comme j'ai envie, et je laisse la place à l'autre. Et du sel comme une envie. Bien sûr, ça peut toucher, bien sûr, ça peut. On peut sentir quelque chose de pas juste. C'est parfois la difficulté de la conscience. C'est qu'on voit quelque chose que des fois, les gens ne voient pas encore. Et c'est là où aller chercher l'amour, c'est important. D'où l'importance de la pratique. Je veux dire, quel lien, mais si. Parce que si on reste dans la théorie, c'est là où on rentre. On n'est que dans la théorie. On est dans la théorie de l'amour, on est en théorie du développement personnel, on est en théorie de la psychologie, on est en théorie de l'éducation positive, on est dans la théorie de la communication non violente. On n'est que dans la théorie. On l'a compris, ça nous passe, ça vient vibrer dans une partie en nous, mais on n'en est pas en pratique. Donc tout est OK, juste entendre ça et vous offrir du temps pour la mettre en pratique dans toutes les petites choses de votre vie. Vaut mieux faire un tout petit peu de partout. Et vous répétez, voilà, je choisis cette posture, hein, moi j'ai une vision vraiment avec la notion de posture à l'intérieur de moi. Voilà, je découvre cette pratique, par exemple moi en ce moment, j'ai découvert la méditation par mouvement, j'adore. Et bien, tous les jours, je prends un temps pour faire un petit peu, une musique. Bien sûr, la formation, la première vidéo que je me suis offerte, elle durait 1h45. Ben, je n'ai pas fait tous les jours 1h45 de méditation par mouvement. J'ai pris la première, j'ai pratiqué pendant une semaine. J'ai pris la deuxième, j'ai pratiqué pendant une semaine. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qui se passe en moi? Comment je me sens? Alors, tout ça vient naturellement. Hein. Il se passe plein de choses dans mon corps.
Et voilà, du coup, après, je me suis fait carrément la celle qui suivait. Là, il y a des vidéos vraiment tous les jours avec quelque chose. Et puis, on apprend, hein, on partage sa pratique à la personne qui a créé ça. Et j'adore. Et ça m'amène plein, plein de choses. Quand j'ai voulu faire mon sadhana au printemps, pareil, je me suis dit, allez, hop. Quand j'ai découvert il y a 20 ans la communication non violente, bah, bien sûr qu'il m'a fallu observer des situations. Des fois, je me faisais avoir, des fois, je me ressentais plein de colère, je jugeais. Mais hop, à chaque fois, hop, je prends du temps. Je me prends un temps pour accueillir ce qui se passe en moi. Quand j'ai découvert le massage, je me suis massée, j'ai massé les fleurs de Bac. Quand j'ai découvert les fleurs de Bac, allez, j'utilise les fleurs de Bac. Je les expérimente, je les ressens en moi. Voilà. Parce que pratiquer, c'est ressentir. Et aujourd'hui, on sait que le cerveau, que l'intégration d'acquisition, apprentissage, se fait par le sensoriel. Puis après, on met du concept dessus. Quand on ressent quelque chose, on va chercher plus loin, encore plus loin à chaque fois. Donc un enfant qui va tenir son crayon, par exemple, quand il va... Alors, vous allez dire, c'est la méthode, la pédagogie Montessori, elle explique très très bien Maria Montessori, ça. Très bien. Et c'est pas que pour l'école, en fait. Moi, aujourd'hui, c'est pour tout, c'est pour les émotions. Voilà. Les émotions, apprendre à écouter ces émotions, si on ne nous a pas appris au quotidien dès l'enfance, c'est une acquisition à faire plus tard. En plus, il faut défaire certains modes de fonctionnement. Et c'est tous les jours, je prends du temps à écouter ce que je ressens. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est comme émotion? Tiens, je la connais pas, celle-ci. Alors, quand on est enfant, normalement, le parent, il peut, les personnes qui nous entourent, ils peuvent nous transmettre. Donc, on a beaucoup d'informations qui peuvent venir. Quand on est adulte, on peut trouver un peu tout seul, ou on peut se faire aider par un thérapeute, par un psychologue, par un coach. On peut faire ça. Voilà. Et moi, je dis pour les émotions. On peut lire des livres quand même. Aussi, c'est très important de comprendre le fonctionnement des émotions. Donc, en tout cas, c'est vraiment s'offrir cette intégration et toujours faire le mouvement. Ce n'est pas où je ressens, où je comprends, c'est je ressens, je comprends. Tiens, je suis passée à un nouveau niveau de compréhension de ce que je fais. Je vais redescendre dans mon senti. Hop, 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 ah, tiens, ah, bah là, mon livre, il en est juste dans ça. Tiens, là, je vais m'acheter un outil. Tiens, là, je vais me poser des questions. Voilà. Ou après, alors, ce qui est, par exemple, moi, mon cas, c'est que moi, je suis quelqu'un qui est très kinesthétique. Donc, je fais plein de choses, et je décourage, je lis un livre qui vient juste dire, ah, tiens, je faisais ça. Parce qu'il faut penser aussi que, suivant par quel biais premier, hein, on a toujours un cerveau un peu principal. Il y a des gens qui sont très logiques, qui vont lire et puis ils vont expérimenter. Donc là, c'est un peu ce que je vous expliquais jusqu'à maintenant. C'est, mais même moi, je l'ai fait beaucoup de lire, pour après ouvrir les portes du sensoriel. Mais je me rends compte aussi qu'étant quelqu'un très kinesthésique, qui aime faire plein de choses, des fois je fais, puis il suffit de lire un livre, ah non, je faisais ça, ah non, je faisais ça, ah ben je le sais déjà, hop, hop, hop. Donc après, il y a quand même un chemin à faire, il y a quand même un travail d'acquisition quand je fais ça. Parce qu'entre la partie qui comprend quelque chose que je faisais de façon intuitive, il y a des choses à accueillir, il y a des connexions à faire, il y a de la répétition, et je refais. Voilà. Là, je fais une formation pour les réseaux, pour développer vraiment mon approche par les réseaux et tout ça. Et vraiment, c'est très riche. Et j'entends, bah, tiens, ça, je le fais déjà. Mais du coup, hop, pratiquer, continuer à pratiquer. Tiens, je vais continuer. Puis maintenant, je le pratique avec la conscience. Vraiment le sens, ça a du sens. Je le faisais parce que c'était inné, mais là, j'y mets de la connaissance, j'y mets plein de choses. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, deux tiers des choses à faire, c'est la pratique, c'est le faire. Mais ce n'est pas le faire pour survivre. Ce n'est pas non plus le faire de « faut que je fasse, j'ai du résultat ». Ce n'est pas la posture de base, c'est « j'expérimente ». La posture de base, c'est « je reviens à moi » et là, je fais parce que je vais expérimenter quelque chose. Je fais parce que je veux aller plus loin dans ce que j'ai compris. Je le fais parce que là, je ressens quelque chose et j'ai besoin de découvrir. Ce n'est pas le faire pour survivre, c'est le faire d'être, de vivre. Voilà. Donc, c'est une posture un petit peu différente. Essayez de le sentir en vous. Alors, peut-être que vous n'allez pas faire la différence comme ça. Hein, si c'est intellectualisé, c'est vraiment quelque chose qui est comme une vibration, qui est une sensation, mais pas dans la même posture. Et juste y réfléchir. Moi, en tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous inspire pour ça. Elle ouvre les portes de la réflexion. C'est ça la base, c'est ouvrir son champ des possibles, ouvrir toujours l'observation de ce qu'on vit. Et après, ça fait son chemin.
Votre corps est là pour ça. Il sait faire, votre cerveau. Plus vous lui ouvrez des portes, plus vous laissez l'espace de découverte, plus il va intégrer, chercher l'expérience, chercher la compréhension. Tout se fait naturellement, on n'a pas besoin de mentaliser, de dire, il faut que j'y arrive. C'est que dans les moments un peu difficiles, on a un peu d'âme, où là, allez, je tiens confiance. Allez, je vais y arriver. Motivation. Ouais, ça me fait du bien, regarde. Quand je fais le sadhana, il y a eu des moments, je me levais tôt parce que j'avais les enfants à m'occuper après. Des fois, le matin, mais j'étais réveillée, hein. Mon cerveau, par contre, j'étais réveillée à l'heure qu'il fallait pour pouvoir le faire. Mais pas se me dire, oh non, j'ai la flemme. Et puis, enfin, moi, je me rappelais ce que ça m'avait fait la veille. Je revenais à mon ressenti. Et je peux vous dire, c'est hyper puissant. Et du coup, là, c'est mental après, derrière. Là, je me lève, on est d'accord. J'allais chercher mon ressenti. Je nourrissais tous mes cerveaux, tout en même temps, tout le temps. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que déjà, c'est assez riche. J'espère que ça vous inspire, que ça vous ouvre des portes. J'ai vraiment à cœur à chaque fois d'être dans cette posture pour vous. Et puis, je suis ravie, en tout cas, d'avoir reçu ce live. Je n'ai pas regardé si j'avais des questions. Moi, je ne vais pas, En tout cas, merci à toutes les personnes présentes. Merci à celles qui verront ce live en replay. Et puis, à bientôt. Je ne sais pas. Je fais vraiment comme je le ressens aujourd'hui. J'ai envie d'avoir cette posture de vous offrir quand c'est un élan plein, avec une conscience et je me sens alignée dans tout ce que j'ai à dire. Voilà. Je vous embrasse. Bel après-midi, beau week-end. Et puis, bon début de vacances scolaires quand même, parce que là, ça y est, on y est et on va inviter le soleil.